Photo Louise Chabat, la fille d'Alain Chabat fait fureur le lat avec un look de parisienne rock. À 34 ans, Louise Chabat est toujours proche de son père. La jolie brune aux grands yeux bleus a profité de l'anniversaire d'Alain Chabat pour publier sur son compte Instagram un post dédié à son célèbre papa. Alors que ce dernier est au cœur de l'actualité grâce à son émission Le Lat qui passe chaque soir sur TF1 à 23h. Louise Chabat a avoué ne pas avoir encore eu le temps d'y jeter un œil. « Je n'ai pas encore eu le temps de regarder @lelat officiel. Honte à moi fille indigne. Je vais regarder ce soir » mais ça ne l'a pas empêché de laisser un message plein d'émotion à Alain Chabat, c'est l'anniv du Padre Today. Le seul boomer à avoir plus de woke culture que toute la Gen Z réunie. Le seul humain de cette planète à passer autant de temps sur Tito que sur TF1. Et surtout le seul mec à dormir 2 minutes par nuit à 64 balais. Alors pour toutes ces qualités incroyables et jamais vues, bravo et happy birthday. Si, faute de temps, elle n'a pas encore vu le lat show, Louise Chabat a quand même été faire un tour sur le plateau d'enregistrement de l'émission pour soutenir son père entre 2 obligations professionnelles. Affalée sur le canapé qui a déjà reçu Monica Bellucci, Aurel San et Charlotte Gainsbourg. La fille de l'ancien membre des Nuls est apparue plus stylée que jamais. Elle a beau vivre à Marseille, Louise Chabat maîtrise le look de la parisienne rock à merveille. Au programme de son look pour sa venue sur le plateau du Lat Show, un maxi blazer qu'elle a pimpé avec une paire de bottes Ranger à plateforme. L'ensemble est canon et on devine une mini-jupe ou un short court sous sa veste de tailleur XXL. L'effet rock est harmonisé par 2 accessoires stars du vestiaire de la parisienne, le béret. Alias la pièce qui énerve les Français en ce moment, ainsi que le sac à main matelassé. Louise Chabat craque pour un modèle porté à l'épaule et agrémenté d'une enchaîne super canon. R pour adopter un look aussi cool que la jeune artiste, on n'hésite pas à faire comme elle et à mélanger des pièces d'inspiration diverses. Le mix des matières est tout aussi efficace, le cuir vinyle de ses bottes apporte un effet rétro tandis que le mat de son sac et la maille de son béret sont bien plus chics. En bref, Louise Chabat a tout bon.